Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Tesla France 89. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va voir ce qui se passe quand il y a un obstacle et qu'on est en autopilote, donc le freinage d'urgence. Alors on se retrouve tout de suite dans la voiture et puis au passage, merci beaucoup pour vous abonner, pour nous suivre et nous soutenir, ça fait plaisir. Voilà, donc là on prend la route, une petite nationale, je vais enclencher l'autopilote assez rapidement. Donc c'est limité à 80 km/h, vous voyez, deux clics vers le bas et l'autopilote est enclenché. Donc là la voiture va prendre de la vitesse petit à petit et se caler à 83 km/h. Moi j'ai réglé qu'il y ait toujours 3 km/h de plus que la vitesse limite. Voilà, donc ça y est, on a atteint les 83 km/h. Vous voyez qu'il y a le petit icône en haut à gauche, le volant entouré de bleu. Et puis on a bien les lignes de chaque côté de la voiture qui sont en bleu pour indiquer qu'on a un autopilote. Là voilà, elle clignote en bleu en haut parce qu'elle me demande en fait d'exercer une pression un peu plus forte au niveau du volant pour montrer que je suis encore en vie en fait et toujours derrière le volant. Voilà, on va bientôt arriver en ville et il y a une voiture qui est stationnée pratiquement sur la voie d'ailleurs, vous verrez. Et la voiture va détecter toute seule cet obstacle et va vraiment ralentir très fortement. Presque à l'arrêt d'ailleurs, vous allez voir, et l'autopilote se désenclenche. Donc là, on va bientôt arriver en ville. On est toujours à 83 km/h. Le volant, le cap est maintenu par le véhicule. Moi, j'exerce juste une petite pression pour maintenir le volant, mais c'est elle qui gère tout ce qui est virage. Et là, voilà, hop, attention. Vous voyez la décélération. Voilà, en quelques mètres, on se retrouve à 20 km/h. Bon, après, du coup, moi, j'ai désenclenché l'autopilote. Vous voyez la voiture qui était garée sur le côté. Donc, je vous le remets là en replay. Voyez, on passe de 83 à 20 km/h très rapidement. Voilà, on n'a pas eu d'alerte sonore ou quoi que ce soit au niveau de la voiture, elle s'est juste mise à freiner d'un seul coup. Et voilà, donc c'était pour vous montrer un peu comment ça se passait quand au niveau de l'autopilote, il y avait un obstacle qui était détecté. Elle n'a pas contourné l'obstacle, par contre elle a ralenti jusqu'à s'arrêter. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt et n'hésitez pas à cliquer pour aller consulter les autres vidéos que nous avons faites. On sort vraiment des vidéos très régulièrement et voilà, on adore notre modèle 3. A plus, salut.